Yémar? Oui, Yémar, Yvan. Un cancer. Un cancer de... Un cancer de... Un cancer du genou. Oui, oui, non, du genou. Oui, oui, du genou, c'est ça qu'ils ont dit. Oui, oui. Mais ça a commencé par y gratter un peu le genou, puis après ça, ça a comme gonflé, ça a gonflé qu'ils ont dit, puis ça a donné que la gonflure, là, ben, c'était une tumeur. Oui, c'était une tumeur, c'est ça qu'ils ont dit, oui. Trop souvent à genoux. Oui, c'est parce qu'ils étaient trop souvent à genoux qu'ils ont dit, oui. Trop souvent à genoux. Non. Yvon, ça faisait longtemps qu'elle n'allait plus à messe, hein? Non. Mais non. Yvon, c'était pas partout de son genre, hein? Il était marié, il avait 5 enfants. Non, c'est à cause de son char. Oui, c'est à cause de son char qu'ils ont dit. Oui, trop souvent à genoux à chaîner ses bumpers. Oui. La tumeur, elle y remontait jusque dans le cerveau, qu'ils ont dit. Puis là, le coincé un arbre dans un des raccoins de sa tête, qu'ils ont dit. Ça fait qu'il y avait le cancer dans toute la moitié de sa tête, qu'ils ont dit. Oui, dans toute la moitié de sa tête. Ça fait que, ben, il finissait plus ses phrases. Ben non, il disait juste la moitié de ses phrases. Oui, puis quand la tumeur a fait une attaque, ben, il a appelé le 911, mais il était pas capable de donner son adresse au complet. Mais non, il donnait juste la moitié de son adresse. Oui, ça fait que, ben, tu sais, ils sont arrivés trop tard. Qui ont dit? Oh, 9h. Il va faire -15 demain, qui ont dit.